Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Makaya Brunel, enseignant d'histoire et de géographie au secondaire. Le cours que nous présentons aujourd'hui est un cours d'histoire de classe terminale. Il porte sur les types de décolonisation. La décolonisation est le processus d'accession à l'indépendance des peuples colonisés. Décolonisation est l'accession à l'indépendance des peuples colonisés. Le processus de décolonisation des peuples d'Asie et d'Afrique ne s'est pas effectué de la même manière partout. Donc, en Asie et en Afrique, le processus de décolonisation ne s'est pas effectué de la même manière partout. Ainsi, on distingue deux types de décolonisation. Quels sont ces types de décolonisation? Il y a la décolonisation pacifique et la décolonisation Violente. Donc, au premier point, donc, le premier point de cette leçon, nous abordons la décolonisation pacifique. Donc, grand 1, grand 1, la décolonisation pacifique. Grand 1, le premier point de cette leçon, nous abordons la décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique. Décolonisation pacifique. Le premier point de notre leçon. Quand on entend par décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique est celle qui s'est effectuée entre les puissances coloniales et les mouvements indépendantistes. Donc, après les négociations. Donc, la décolonisation pacifique est celle qui s'est effectuée après les négociations entre les puissances coloniales et les mouvements indépendantistes. Donc c'est le cas de l'Inde en Asie et de l'Afrique noire française. Donc pour le cadre décolonisation pacifique, nous allons voir deux cas, donc en deux pays différents. Donc il y a le cas de l'Inde en Asie et l'Afrique noire française. Donc au petit petit temps. Nous abordons en Asie, donc un exemple de décolonisation pacifique, d'abord en Asie, en Asie, point cas de l'Inde, cas de l'Inde. Donc, décolonisation pacifique, le premier cas est un pays asiatique qui est l'Inde. Donc, en Asie, cas de l'Inde. Nous savons que l'Inde est une ancienne colonie britannique qui a connu le processus de décolonisation. Et le processus de décolonisation ou la volonté L'indépendance de l'Inde est ancienne. Donc, il y a un parti qui est monté au créneau et ce parti, c'est le parti du congrès de Gandhi et Nehru. Donc, nous avons Gandhi. Donc, le parti du congrès de Gandhi. Le parti du congrès de Gandhi et de Nehru qui lutte pour l'indépendance de l'Inde. Ce parti lutte pour l'indépendance de l'Inde en recourant à la non-violence. Donc, c'est un parti qui luttait pour l'indépendance de l'Inde en recourant à la non-violence. En 1942, ce parti réaffirme donc. Le parti du Congrès réaffirme par la résolution quitte Indien, qui veut dire quitter l'Inde. Donc, par cette résolution, ce parti réaffirme cette volonté d'indépendance. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, puissance Coloniale est favorable à l'indépendance de l'Inde. Cependant, le processus est retardé par l'antagonisme entre les deux communautés. La Grande-Bretagne, qui est une ancienne colonie, ancienne, ancienne puissance coloniale, excusez, dans la Grande-Bretagne, qui est une ancienne puissance coloniale, était favorable à l'indépendance de l'Inde, mais cette volonté est confrontée à l'antagonisme entre les communautés hindoues et musulmanes. Que veulent ces communautés Il y a d'abord le parti du Congrès à majorité hindoue qui souhaite que l'Inde forme un seul État. Donc, cet État, c'est l'Union indienne. Donc. Ensuite, de l'autre côté, puisqu'il y a un antagonisme entre les deux communautés, la communauté hindoue, la communauté musulmane. Donc, le parti du Congrès qui souhaite que l'Inde forme un seul État. Et de, de l'autre côté, il y a la Ligue musulmane d'Aligina qui réclame plutôt la partition politique et religieuse du pays. Donc c'est cet antagonisme-là. Donc il y a une communauté, notamment la communauté hindoue, qui voulait que l'Inde puisse constituer un seul État. Et de l'autre côté, il y a la Ligue musulmane. Donc il y a opposition entre ces deux communautés, ce qui va constituer un frein à cette volonté de la Grande-Bretagne de soumettre l'indépendance à l'Inde. cependant, en 1947, en 1947, Lord Mountbatten, donc, Lord Mountbatten, Lord, en 1947, Lord Mountbatten, qui est-il? Lord Mountbatten, c'est le nouveau vice-roi des Indes. Donc, nouveau vice-roi des Indes qui accepte la partition du pays en deux états indépendants. Donc, puisque nous avons vu l'antagonisme entre les deux communautés, c'est en 1947 que le nouveau vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, qui accepte la partition du pays en deux États indépendants. Donc, il y a d'une part l'Union indienne à majorité musulmane à l'Est et le Pakistan à majorité, euh, excusez, il y a d'une part l'Union indienne majorité hindou, à majorité hindoue à l'Est et le Pakistan à majorité musulmane à l'Ouest. Donc, ce qui va entraîner ou ce qui sera à l'origine de l'indépendance des deux états. l'indépendance du Pakistan est proclamée le 14 août 1947 et celle de l'Inde le 15 août 1947. Donc le processus d'indépendance de l'Inde est un processus pacifique mais cela ne s'arrête pas là puisque à la suite de la division de l'Inde en deux États, le Pakistan et euh, l'Union indienne, il y aura des incidents. Et cette division de l'Inde provoque, cette division de l'Inde provoque les déplacements des déplacements de population et des massacres. Environ un million de morts. Et c'est au cours de ces incidents-là Gandhi, Gandhi qui prêche, Gandhi qui prêche la tolérance entre les communautés est assassiné par des extrémistes hindous en janvier 1948. Gandhi entre les communautés en janvier 1947. Ali Jina. Donc. Donc, c'est parti. Donc, il y a d'abord le parti du Congrès qui est à majorité hindoue, qui souhaite que l'Inde forme un seul État. Cet État est l'Union indienne. Et de l'autre part, la Ligue musulmane d'Aligina réclame plutôt la partition politique et religieuse du pays. Donc, il y a cet antagonisme entre les deux partis. Le parti du Congrès qui voulait que l'Inde forme un État et la Ligue musulmane d'Ali Jinnah qui voulait de la partition du pays. Donc, en 1947, l'Ordre Monte nouveau vice roi des Indes, accepte la partition du pays en deux États indépendants. Donc les deux États indépendants. Donc, nous allons représenter l'Inde dans un carré. Donc, là c'est l'Inde. Nous représentons l'Inde. Le nouveau vice roi des Indes accepte la partition du pays en deux. Donc, nous avons l'Inde qui est divisée en deux. Ici, nous avons l'Union indienne. L'Union indienne, à majorité hindoue, et le Pakistan, majorité musulmane. Lord Lord Mountbatten, nouveau, nouveau vice-roi des Indes, accepte le partage ou la partition du pays en deux États indépendants. Les deux États sont là, il y a l'Union indienne dont l'indépendance est proclamée. D'abord, commençons par le Pakistan. Donc le Pakistan dont l'indépendance est proclamée le 14 août 1947 et L'Union indienne voit son indépendance être proclamée le 15 août 1947. Puisque nous avons dit que le Pakistan est à majorité musulmane, l'Union indienne à majorité hindoue, il y a un transfert de population de part et d'autre. Les Pakistan qui étaient en Inde, donc l'Union indienne, les musulmans plutôt, vont quitter l'Union indienne pour le Pakistan et vice-versa. Ici, nous avons les hindous qui sont présents au Pakistan, vont descendre vers l'Union indienne. Donc, le processus de décolonisation de l'Inde est un processus pacifique. Nous avons vu qu'il y a eu négociations de part et d'autre tout le long du processus. De décolonisation. Donc il y a eu négociation entre la Grande-Bretagne, puissance coloniale de l'Inde, et les colonisés. Donc, venons de terminer avec la décolonisation pacifique en Asie, cas de l'Inde. À présent, passons au deuxième sous-point de notre grand 1, petit 2, donc au petit 2 nous abordons le, en Afrique cas de l'Afrique noire française. Donc, au petit 2, nous sommes toujours dans la décolonisation pacifique. Petit 2, en Afrique. En Afrique. Deux points. Cas de l'Afrique noire française. cas de l'Afrique noire française, cas de l'Afrique noire, cas de l'Afrique noire française, cas de l'Afrique noire française, cas de l'Afrique noire française. Permettez que je enlève les écrits qui sont là. Le cas de l'Afrique noire française. Quand on entend par l'Afrique noire française. L'Afrique noire française est un ensemble constitué des colonies de l'Afrique occidentale française en sigle AOF et les colonies de l'Afrique équatoriale française en sigle AEF. Nous avons l'Afrique noire constituée, colonie de l'Afrique, l'Afrique occidentale l'afrique occidentale française en sigle a -O f et de celle de l'afrique celle de l'Afrique équatoriale, celle de l'Afrique équatoriale française, AEF. Donc, l'Afrique noire est constituée de ces deux ensembles. Les colonies de l'AOF puis celles de l'AEF. Donc, il y a l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française. Donc, le processus de décolonisation en Afrique noire française s'est fait en quatre étapes. Quelles sont ces étapes? Donc, nous avons, premièrement, donc la première étape la première étape l'Union française l'Union française en 1946 la loi cadre en 1956 la communauté la communauté franco africaine la communauté franco africaine en 1958. Et la dernière étape du processus de décolonisation en Afrique noire française est la proclamation. La proclamation des indépendances. La proclamation des indépendances. la proclamation des indépendances. À présent, passons à la première étape de, du processus de décolonisation en Afrique noire française. Donc, l'Union française en 1946. Donc là, nous sommes aux sortis de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une année après, la France vote une nouvelle constitution. Donc, la France a une nouvelle constitution, celle de 1946, et dans le cadre, dans le cadre de cette constitution, l'Union française est constituée de la France et de l'ensemble de ses colonies. Donc, l'Union française est une intégration des colonies dans le cadre de l'Union française, conformément à la Constitution de 1946. L'Union française accorde un certain nombre de libertés aux colonisés, parmi lesquels le droit de vote. Donc, à partir de ce moment, les diverses colonies sont représentées à l'Assemblée nationale française par des députés africains. Donc, les députés africains vont maintenant, désormais, siéger à l'Assemblée nationale française. Donc, ils vont représenter leurs États. Donc, au nombre de ces députés, nous avons au Moyen-Congo, exemple de Jean-Félix Tikaya, Félix, Félix Oufouet-Bouani pour la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal. Donc, en dehors de cette représentation des diverses colonies à l'Assemblée nationale française, il y a également un effort important qui est effectué en matière de développement économique et social. Donc, après l'Union française, donc dix ans après l'Union française, intervient la deuxième étape qui est la loi cadre en 1956 donc dix ans après la loi cadre est une loi qui a été fait voter par Gaston Fer, ministre d'Outre-mer donc avec l'aide de Gaston Defer cette loi est votée et à quoi sert-elle donc cette loi préparait ou cette loi préparait les pays colonisés à l'autonomie interne. Donc, chaque assemblée, chaque territoire plutôt, excusez, chaque territoire devait avoir une assemblée élue. Et cette assemblée devait avoir un gouvernement. Donc, dans chaque territoire, il devait avoir une assemblée et un gouvernement responsable devant cette assemblée. Donc, la loi cadre favorise l'africanisation des cadres. Donc, certains colonisés pouvaient désormais accéder au poste de responsabilité. Donc, après la loi 4, donc deux ans après la loi 4, intervient une autre étape, la communauté franco-africaine, en 1958. Donc, la communauté franco-africaine, la France va encore adopter une nouvelle constitution. Donc, celle de 1958. Donc, il y a une transition entre la constitution de 1946 et celle qui va être adoptée en 1958. Donc, la communauté franco-africaine est une perspective de coopération dans le cadre de la communauté créée par la constitution de 1958. Donc, la communauté franco-africaine regroupe la France et les États d'Afrique noire qui acceptent d'y entrer à la suite d'un référendum organisé le 28 septembre 1958. Tous les territoires colonisés vont accepter d'être membres de la communauté franco-africaine. En votant massivement le oui le 28 novembre 1958, seule la Guinée de Sékou Touré dit non. Donc la Guinée de Sékou Touré refuse d'être membre de la communauté franco-africaine. Aussitôt, l'indépendance lui est accordée le 2 octobre 1958. Donc, après la troisième étape, nous passons enfin... À la dernière étape du processus de décolonisation en Afrique noire française, ce processus, donc cette étape plutôt, qui n'est autre que la proclamation des indépendances. Donc, conformément aux engagements contenus dans la communauté, un accord de transfert de compétences est ratifié entre la France et ses colonies. Donc, à partir de cet accord de transfert de compétences entre la France et ses colonies, ben, les territoires colonisés vont commencer à accéder un à un à l'indépendance, d'où les indépendances sont proclamées en 1960. Donc ce qui fait que vous remarquez que la majorité des pays colonisés en leur indépendance proclamée en 1960. Donc en dehors du Congo, dont l'indépendance a été proclamée le 15 août 1960, il y a le Gabon le 17 août 1960, ainsi de suite. Donc voilà présenté la décolonisation pacifique. Donc, dans la décolonisation pacifique, nous avons présenter deux cas. Donc le premier cas en Asie celui de l'Inde et le deuxième cas en Afrique celui de l'Afrique noire française. Donc après après le grand 1 puisque la leçon n'a que deux grands points, donc nous passons présentement au deuxième point. Donc le deuxième point qui est le dernier de la leçon, la décolonisation violente. La décolonisation violente. Nous avons la décolonisation violente. Donc, au grand 2, la décolonisation violente. Donc, nous allons maintenant aborder la décolonisation violente. Donc, décolonisation violente. Qu'entend-on par décolonisation violente? Qu'entend-on par décolonisation violente? Donc, Contrairement à la décolonisation pacifique qui s'est effectuée après les négociations entre les puissances coloniales et les mouvements indépendantistes, la décolonisation violente, elle, s'est déroulée à la suite d'une guerre d'indépendance. Vous sentez, il y a une différence. Donc, la décolonisation pacifique, c'est après les négociations mais la décolonisation violente, par contre, la décolonisation violente s'est déroulée à la suite d'une guerre d'indépendance. Ici, dans le cas de la, dans le cas de la décolonisation violente, nous allons voir deux cas. Donc, le cas de l'Indochine en Asie et l'Algérie en Afrique. Donc, abordons le premier cas, la décolonisation violente en Asie. Donc, nous avons au petit hein? Le premier cas de colonisation violente en Asie, l'Indochine. Il sied d'abord de rappeler qu'à la fin du 19e siècle, l'Indochine française, bien sûr, l'Indochine française regroupe cinq provinces. Ces cinq provinces sont, donc, il y a le Laos, le Cambodge, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Donc, sont ces cinq provinces qui constituaient l'Indochine française. L'Indochine, auparavant, était occupée par le Japon. Donc, durant leur indépendance, donc, durant, excusez, durant leur occupation de l'Indochine, les Japonais vont encourager les sentiments anti-français. Donc, les Japonais vont encourager les sentiments anti-français. Donc, en Indochine, il y a un parti qui est créé en 1941. Donc, ce parti est lequel C'est le parti qui commence avec le processus d'indépendance en Indochine. Ce parti est créé en 1941 et ce parti est le Front Uni pour l'indépendance du Vietnam. Donc, donc, en 1941, le Front Uni pour l'indépendance. Front uni pour l'indépendance. Le Front uni pour l'indépendance du Vietnam. Le Front uni pour l'indépendance du Vietnam ou Vietnam. Minh. Viet, Viet Minh. Donc ce parti est créé en 1941. Par qui est-il créé? Ce parti est créé par le communiste Oshmin. Donc le fondateur de ce parti est Oshmin. Donc Oshmin fonde. Le Parti pour l'Indépendance du Vietnam au Viet Minh. En 1945, il proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Donc, 1945, donc en septembre 1945, Ho Chi Minh, son parti proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Ce qui va susciter une réaction de la France. Donc, la France réagit en envoyant des troupes commandées par le général Leclerc. Donc, la France, cette réaction de la France, la France enverra des troupes commandées par le général Leclerc qui reprend le contrôle de la Cochinchine à la fin de 1945. Donc ça, c'est la réaction, la réaction de la France, l'envoi des troupes commandées par le général Leclerc. Et en mars 1945, la France signe un accord avec le Vietnam. Et cet accord reconnaît le Vietnam comme étant un État libre, au sein de l'Union française. Mais, face à l'agitation qu'entraîne ce durcissement, face à l'agitation qu'entraîne ce durcissement, les Français bombardent le port d'Aifang. Donc, le port d'Aifang, port vietnamien. Donc, le port Phong est bombardé. Bombarde le port d'Aifang. Le port d'Aiphong, donc un port vietnamien bombardé par la France en novembre 1946, ce qui sera à l'origine des représailles de la part des Vietnamiens. Donc, le mois suivant, en représailles de ces bombardements, les Européens sont massacrés dans la ville d'Hanoï. C'est le début de la guerre d'Indochine qui dure huit ans. Vous parlez de la bataille de Dien Bien Phu, où les Européens sont massacrés. Après la défaite française de Dien Bien Phu en mai 1954, sont signés les accords de Genève en Suisse. En juillet 1954, donc les accords de Genève sont signés en Suisse. Ces accords signés en, ju en, en juillet 1956, euh, 1954, excusez, consacrent l'indépendance au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Donc, nous pouvons comprendre à la fin que le processus de décolonisation de l'Indochine. Donc la décolonisation de l'Indochine est une décolonisation violente. La décolonisation de l'Indochine est une décolonisation violente, puisque cet État est devenu indépendant, ou les États que nous avons cités, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, ont acquis leur indépendance à la suite d'une insurrection armée, donc à la suite d'une guerre. Donc, c'est une décolonisation violente, contrairement à ce que nous avons vu dans le premier cas où il y a eu un processus, donc un processus pacifique. Et ici, remarquez qu'il y a une guerre. Donc, après la décolonisation, donc nous sommes toujours dans la décolonisation violente. Donc, le cas de l'Asie, donc l'Indochine. Nous passons au dernier, au dernier cas. Donc, en Afrique, donc, petit 2, en Afrique, en Afrique, cas de l'Algérie. Donc, un deuxième cas. cas de l'Algérie. L'Algérie est une ancienne colonie française. L'Algérie a connu une décolonisation violente. L'Algérie a connu une décolonisation violente. Il est important de commencer par rappeler que depuis 1930, L'Algérie est une ancienne colonie de peuplement. Donc, il s'est de rappeler, depuis 1930, l'Algérie est une ancienne colonie de peuplement. Donc, l'Algérie était considérée comme une province de la France, où les Français étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et non, le 1er novembre 1954, donc, un jour, Toussaint, le 1er novembre 1954, les nationalistes, algériens, les nationalistes algériens organisent les attentats, notamment en Kabylie. Kabylie, c'est une ville située au nord-est de l'Algérie. Donc, les nationalistes vont organiser des attentats pour manifester leur mécontentement ils vont attaquer les bâtiments publics. Donc, au cours de ces attentats, il y a l'attaque des bâtiments publics, des assassinats des colons isolés. Donc, à partir de 1954, donc, il y a un parti, le Front de libération nationale. Donc, il y a le Front de libération nationale. Libération nationale. Front de libération nationale. Libération nationale, le FLN en sigle. Fondé par Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella, donc le, le Front de Libération Nationale, le FLN, ce parti déclenche une vague d'attentats pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Une vague d'attentats déclenchée pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie, ce que la France n'accepte pas. Donc la France refuse de céder. Elle va procéder par des réformes. Et en refusant de céder, procédant par des réformes, il y aura une suite interminable de conflits marqués par des massacres d'Européens, toujours pour manifester le mécontentement. Donc les Européens sont massacrés, la part du FLN, et de l'autre part, il y a répression et même de tortures de la part de l'armée française. Donc dans les deux camps, vous sentez qu'ils adoptent une stratégie donnée. Donc, il y a répression et même la torture de la part de l'armée française. Le pays baigne dans le sang. Puisque le FLN massacre les Européens, les Français aussi, de leur côté, se mettent à torturer, à reprimer ces violences. Le pays baigne dans le sang. Et la France, en France, on remarque qu'il y a une succession. Gouvernements, dont les gouvernements se succèdent, notamment celui de Guy Mollet, Pierre Mendès, Edgar Faure. Ces gouvernements, donc cette succession de gouvernements, est à l'origine du renforcement des contingents en Algérie pour, qui est, pour trouver une solution, mais en vain. Donc, malgré les contingents français envoyés en Algérie pour trouver des solutions à ce problème, en tout cas, il n'y a pas eu à calmer. Et c'est en 1958, le général de Gaulle revenant au pouvoir, la suite de la constitution de 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir et c'est ce retour du général de Gaulle qui favorise la reprise des négociations entre le FLN. Donc cette reprise de négociations est à l'origine du mécontentement de certains Français en Algérie. Donc, ce mécontentement va être traduit par le coup de force manqué des généraux. Donc, le coup de force manqué des généraux et par des attentats de l'organisation de l'armée secrète. Donc, après les négociations, donc, les négociations favorisées par le retour du général de Gaulle au pouvoir, malgré le mécontentement des Français Présents en Algérie, ces négociations aboutissent aux accords d'Évions. Donc, ces négociations aboutissent aux accords d'évion signés en mars 1962. Donc, signés en mars 1962. Et ces accords permettent à l'Algérie d'accéder à l'indépendance le 3 juillet 1962. Donc, remarquons que l'Algérie a accédé à l'indépendance après une série de guerres ou de conflits interminables. Donc, il y a eu une succession d'effets violents pour que l'Algérie ait son indépendance. Donc, nous pouvons dire que le processus de décolonisation en Algérie est une décolonisation violente. Donc, la décolonisation en Algérie est une décolonisation violente. Donc, nous venons de présenter la décolonisation violente. Dans la décolonisation violente, nous avons vu deux cas. Donc, en Asie, il y a le cas de l'Indochine. En Afrique, il y a le cas de l'Algérie. Donc, ce cours, ce cours, a, ah, nous l'avons présenté en deux grands points. Donc, le premier point, il y a la décolonisation pacifique. Donc, cette décolonisation qui s'est faite après des négociations entre les puissances coloniales et les mouvements indépendantistes. Au premier point, nous avons vu en Asie le cas de l'Inde. Au deuxième point, nous avons vu en Afrique le cas de l'Afrique noire française. Par contre, au deuxième point, nous avons vu la décolonisation la décolonisation violente, donc celle qui s'est déroulée à la suite d'une guerre. Donc, au premier point, nous avons vu en Asie le cas de l'Indochine et au deuxième point, nous avons vu euh, en Afrique le cas de l'Algérie. Donc, nous pouvons dire que la décolonisation a revêtu deux formes. La décolonisation arrive-tu? Deux formes. D'une part, il y a eu la décolonisation pacifique, et de l'autre part, donc de l'autre, la décolonisation violente. Chers apprenants, nous voici au terme de cette leçon. Donc, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. À nous revoir au prochain cours.